συνέχεια από τη σελίδα 900 από το κατωτικό προσωπικό. Il y eut, pardon, il y avait dans ces moments, c'est chapitre 3 de Saint-Luc. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée d'Hérode, tétarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétarque de l'Abilène, du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïaphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et là dans le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 26, jusque le verset 80, donc la fin du chapitre. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie. » Amen. Encore de la patience, il faut que le temps soit accompli. Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour donner le message à Marie, laquelle il avait prédestinée et il avait connue d'avance, cette femme, cette vierge, laquelle va donner naissance à Jésus. Et bien sûr, le projet de Dieu est terrible. Et bien sûr, c'est une œuvre et un projet incroyable. Et nous voyons quand lorsqu'il est marqué, voici la Vierge qui enfantera un fils. Et la visite de Gabriel, soudaine, et ce que nous devons faire attention, c'est l'exactitude des temps et des périodes que Dieu a préparées, a ordonnées
pour ces événements. Et il dit exactement dans 6 mois, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Après une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, Dieu avait préparé tout dans sa vie. Elle avait préparé aussi Joseph. Le cœur de Joseph était rempli d'amour pour Marie. Et le cœur de Marie était rempli d'amour pour Joseph. Dieu n'a pas permis qu'il soit fiancé avant ni après, mais précisément au moment que Dieu avait établi. Parce que Jésus voulait que Marie soit vierge. Dieu voulait que Marie soit vierge, pardon, pour que s'accomplisse totalement l'œuvre du Seigneur, le projet du Seigneur et la parole prophétique de Dieu. Rien ne se fait par hasard. Rien ne se fait dans la vie des hommes que Dieu a appelé et a justifié, et il a écrit le nom dans le livre de vie avant le temps et après le temps. Notre vie, dans tous ses détails, sont entre les mains de Dieu. Parce que nous voulons aussi que notre vie soit entre les mains de Dieu. Ce qui signifie, nous ne sommes pas des exigeants, nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas en retard, mais nous voulons la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. C'est prodigieux l'œuvre de Dieu dans la vie de Marie et de Joseph, et dans la vie de chaque personne parmi nous aussi. Parce que l'homme qui fait attention à lui-même dans être juste avec la volonté de Dieu, loin des choses mondaines de cette terre, alors il est un être choisi, élu de Dieu, purifié, sanctifié, préparé pour chaque bonne œuvre à accomplir, et quelqu'un qui peut être utilisé par Dieu pour son œuvre. Elle est purifiée, sanctifiée dans la présence de Dieu ici, Marie, qui dit que se fasse selon ta volonté, et préparée. Elle est vierge, avec un fiancé dont elle va plus tard se marier, avec un cœur préparé, qui accepte la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ça c'est le message de Dieu. Fasse que nous soyons tous, Seigneur, un être pareil, une personne pareille, purifiée, préparée pour chaque bonne œuvre que tu décides. Nous condamnons chaque volonté convoitise de ce monde, pour ce qui est ici provisoire dans ce monde, chaque pensée qui est en dehors de la volonté du Saint-Esprit, nous la condamnons totalement. Nous voulons, aux yeux de Dieu, que nous soyons et que nous soyons précieux pour que Jésus soit glorifié dans notre vie. Nous nous dédicassons, nous nous consacrons notre esprit et notre âme à Dieu. Quelqu'un pourra dire, peut-être je ne suis pas prêt pour faire cet acte avec Dieu. Mais fasse, Seigneur, pour que cette
ce que ces testaments, Seigneur, que tu fasses pour nous, soit notre but, Seigneur. D'abord, nous demandons le royaume de Dieu et sa justice, mais ce qui est bien, fasse, Seigneur, personnellement, chacun, comme une famille, comme une petite église, des êtres purifiés, utiles et préparés à chaque œuvre, pour chaque bonne œuvre que Dieu a préparée pour chacun de nous personnellement, pour que nous puissions marcher et accomplir ces bonnes œuvres. Et Dieu a préparé de bonnes œuvres pour chacun de nous. Et nous ne voulons pas en perdre une seule œuvre que le Seigneur a préparée pour nous, nous voulons en perdre. Nous ne voulons pas qu'elle soit perdue, parce que nous voulons bénéficier totalement de notre salaire dans le ciel, dans les siècles des siècles pour l'éternité. Et Gabriel a été envoyé vers Marie qui était préparée au moment précis pour la mission de Dieu. Et il lui a dit, n'aie pas peur Marie, sois heureuse parce que tu es bien heureuse. Le Seigneur est avec toi et toi, tu es la femme qui est la plus bénie parmi les femmes. Et Marie a été surprise et a été effrayée. Quelle est cette parole qu'elle a entendue? Que le Seigneur soit avec toi, bienheureuse. Elle ne pouvait pas comprendre cette salutation parce que Dieu prophétise et il explique pour que l'homme comprenne ses prophéties et que l'homme puisse comprendre exactement la volonté de Dieu. Et lui dit, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Il parle de choses éternelles, d'un fils qui va naître, et il s'élargit dans des choses éternelles et dans des promesses éternelles. Et nous avons dit, et dans des situations pareilles, lorsque la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, prodigieux et très étonnant. Et Marie répond, comment cela se fera-t-il? Elle n'a pas dit, je vais être certain comment que cela va se faire, mais ce qu'elle ne sait pas, elle dit, comment cela va se faire? Parce que je ne connais pas d'homme, elle dit. Je n'ai pas d'homme. Et dans sa crédulité, intervient la parole de Dieu. Donc c'est un bon enseignement. Comment tu es confronté à la parole de Dieu avec de l'incrédulité? Est-ce que cette parole ne peut pas entrer en toi, ne peut pas être acceptée par ton cœur? Et dans cette interrogation qu'elle a et cette question qu'elle a vis-à-vis de ce cas, et il n'y a aucune chose à laquelle Dieu ne répond pas. Et il a la réponse exacte pour chaque question.
Et ici, l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et il viendra pas, cet enfant, de la volonté d'un homme et d'une femme, mais il viendra de la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit. Et pour qu'il aide la faiblesse humaine à la personne qui a des doutes, et il vient, il donne un signe et une révélation. Et il lui dit que celle qui est appelée stérile, Élisabeth, elle est dans son sixième mois de grossesse, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu dit et qui ne s'accomplit pas. Il n'existe pas de chose qui est impossible à Dieu. C'est pour cela que nous devons exiger de Dieu des messages, demander à Dieu des messages. Il est impératif, indispensable de demander la parole de Dieu dans notre vie, la voix du Saint-Esprit dans notre vie. Il est indispensable, nécessaire, en ayant la parole prophétique de Dieu. Il ne marche pas dans l'obscurité, mais il a la lumière qui éclaire dans un endroit obscur. Ça, c'est la parole prophétique. Et maintenant, il exige ici d'une personne qui est totalement libre de choisir. Ce n'est pas simple de ce qu'elle lui dit, de ce que l'ange lui dit, ce qu'elle va être enceinte du Saint-Esprit sans venir en relation avec un homme. Et suivre Dieu a un prix, et seulement en marchant par la foi, nous pourrons bénéficier des promesses de Dieu. Maintenant ici, Marie peut dire, qu'est-ce que je dois faire? Si maintenant, moi, je vais être enceinte, ils vont me lapider. Et bien sûr, et cela en obéissant à la parole de Dieu. Comment je vais les persuader que les choses se sont accomplies comme Dieu le dit? Que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et elle doit prendre une décision. C'est un moment décisif pour Marie. Elle doit dire « Amen » à la parole de Dieu. Ou bien elle doit dire, attends un peu que je réfléchisse. Nous savons que Dieu a préparé son cœur pour qu'elle dise Amen, c'est-à-dire, oui, que ta volonté se fasse. Et c'est un être qui a été préparé par Dieu, purifié, donc sans hésitation, avec beaucoup de crainte et beaucoup d'interrogations. Elle dit « Amen », elle dit « Oui, que cela se fasse selon ta parole ». Et l'ange la quitta et elle resta seule dans la solitude que Dieu appelle les hommes. Elle est restée seule avec son secret. Et ça, c'est la parole de Dieu. Elle seule avec son Seigneur. Maintenant, comment elle va être confrontée à cela? Parce que le chrétien, nous savons, il est toujours seul. Seul, il fait appel à Jésus. Seul, il entre dans sa chambre et prie à Dieu. Seul, Dieu vient et le rend visite et s'approche de lui. Et Jésus vient et le baptise de son Saint-Esprit. Et Jésus viendra le prendre seul. Et lorsqu'il sera devant l'estrade de Dieu, devant le trône de Dieu, dans un
multitude de personnes de Dieu. Il n'attend pas de l'aide de personne, et ceux qui sont près de lui, ils sont là pour les aider. Et ces personnes-là que Dieu met près de lui, c'est pour que nous puissions les secourir. Et Jésus était toujours seul. Il était seul lorsqu'il veillait dans la nuit, il priait la nuit seul. Il a choisi aussi 3 disciples, mais il les a laissés un peu plus loin, mais il était tout seul en priant. Frère, tu dois être seul lorsque tu seras avec le Christ, tu connaîtras la volonté du Seigneur. Et ne demande pas de l'aide de personne. L'aide viendra de Jésus-Christ personnellement pour chacun, séparément. Et bien sûr, nous devons faire la distinction entre un chrétien et un petit chrétien. Un petit Jésus et Jésus est le Seigneur de tout puissant et un serviteur, le Fils du Dieu vivant. Et nous devons faire la différence entre quelqu'un qui donne des paroles humaines, des pensées humaines. Le chrétien marche seul sur les pas de Jésus. Et Marie est restée seule. Mais elle a un message. Élisabeth, il y a 6 mois, dans son vieux âge, dans sa vieillesse, il y a 6 mois qu'elle est enceinte. Et elle est partie, elle est arrivée chez Élisabeth et elle lui a fait la salutation. Et maintenant commencent les merveilles dans la vie d'Élisabeth et de Marie. Et lorsque vient le message de Dieu, alors commencent les actes et les prodiges de Dieu. Et soudain, elle entend Élisabeth se remplir du Saint-Esprit, s'inonder du Saint-Esprit, et crier avec une voix forte, « Que béni soit toi, femme, parmi les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles. » Et Marie entend cela étonnée. Et comment la mère de mon Seigneur vient vers moi? Parce que lorsque aussitôt la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et c'est une surprise pour Élisabeth. Et bien sûr, nous savons, c'est pas Élisabeth qui disait cela, mais le Saint-Esprit. C'est une surprise pour Marie qui entend ces paroles. Mais elle n'entend pas Élisabeth. Elle comprend que c'est le Saint-Esprit qui parle par Élisabeth. Et bien sûr, c'est une surprise et un étonnement pour nous qui lisons ces paroles. Pour l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes étonnés, bien sûr, et surpris. Pour la personne que Dieu avait choisie pour l'accomplissement de son dessein, de son projet. Élisabeth lui dit, et à cet instant, Jean, à ce moment-là, dans le ventre de sa mère, Jean a été sacré par le Saint-Esprit. Et à cet instant-là, Marie a été remplie de son Saint-Esprit. Elle entend que ses paroles s'accomplissent. Et elle dit, bienheureuse
parce que maintenant va se réaliser par le Tout-Puissant toutes ces grandes choses. Et mon esprit et mon âme glorifient Dieu parce que maintenant, à partir de maintenant, ils me diront bienheureuse toutes les générations parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Parce que le Tout-Puissant a la visité par son Saint-Esprit deux femmes choisies par Dieu. Et effrayante cette parole prophétique pour ces deux femmes. Une femme qui est jeune et l'autre qui est plus âgée. Incroyable et grandiose et troublant. Il n'y a pas de parole humaine pour décrire les agissements, les interventions de Dieu pour ceux qui sont des personnes élues de Dieu. Il n'y a pas plus glorieux requête pour nous, glorieuse requête pour nous, que le Seigneur nous fasse des êtres purifiés et préparés pour que nous puissions crier « Dieu a fait de grandes choses, a fait le grand, le puissant dans notre vie. » Et il continue la parole prophétique, Marie. Et Élisabeth écoute avec étonnement. Marie est restée à demeurer 3 mois avec Élisabeth, jusqu'au moment où elle a compris que, en vérité, la parole prophétique s'est accomplie pour elle. Selon à cet instant, Dieu l'a visitée par son Saint-Esprit, est venu vers elle. Et elle, avec certitude, elle allait donner naissance à un fils. Comme Élisabeth allait aussi donner naissance à un fils qui allait être appelé Jean. 3 mois dans la présence de Dieu avec Élisabeth, de quoi parle-t-elle? Des grandeurs de Dieu, des merveilles de Dieu. Et ces 3 mois qu'étaient Élisabeth et Marie ensemble, toutes deux enceintes, et reconnaissance et envers Dieu, et le temps a été accompli. Et Marie, seule, elle retourne vers Joseph pour être confrontée toute seule le prix de l'acceptation de la parole de Dieu. Et nous avons dit, et nous concluons, nous terminons, que l'homme qui accepte la parole de Dieu dans sa vie a un prix. La vie du chrétien a un prix. Mais la vie de l'homme sans le Christ a un prix énorme et plus important. Donc le prix du diable, le prix de la perdition. Mais celui qui accepte la parole de Dieu a le prix de l'obéissance, le prix de la bénédiction, et il bénéficie de la présence de Dieu dans sa vie. C'est une parole de choix. Et c'est une chose dont il ne peut pas travailler deux seigneurs. C'est un choix qu'il doit faire. Ou bien l'un, il va haïr, et l'autre, il va aimer. Donc l'argent, il va aimer et il va rejeter Jésus. Ou bien à l'un, il va s'attacher, et l'autre, il va le rejeter. Il y a deux chemins.
il n'y a pas de troisième chemin, il y a deux chemins qui existent, ou le Christ, ou bien l'argent de ce monde, ou bien le peuple de Dieu, ou bien le peuple de ce monde, le royaume de Dieu, ou bien la perdition, ce qui est provisoire, ou bien ce qui est éternel. Mais moi et ma famille, nous allons suivre le Seigneur. Moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur. Amen.